Salut, c'est Yoran. Dis-moi, est-ce que tu es en forme aujourd'hui? En tout cas, je suis content de t'avoir avec moi pour la pensée du jour. Aujourd'hui, nous voulons parler de la paix. La paix que donne le salut. La pensée du jour se trouve dans Psaume chapitre 31, verset 16. « Mes destinées sont dans ta main. Chaque jour où tu te réveilles et tu constates que tu es en vie, signifie que Dieu t'a accordé sa patience. » Et oui, il y a un texte aussi dans la Bible qui dit que la patience de Dieu est notre salut. Parce que la patience de Dieu, c'est le temps dont tu disposes chaque jour. Et donc, chaque jour est une occasion d'en tirer le meilleur, le maximum. Alors, si tu n'as pas encore choisi de faire de Jésus le sauveur de ta vie, on peut dire que chaque jour, c'est l'occasion de tirer le meilleur et donc une occasion de salut. Voilà pourquoi la Bible dit « Il institue encore un jour, aujourd'hui, pour être sauvé. » Et si tu as déjà choisi le Seigneur Jésus comme sauveur de ta vie, alors chaque jour, c'est l'occasion de te rappeler qu'en lui, ta destinée est scellée. Et quel que soit ce qui t'attend aujourd'hui, le Seigneur t'y précède déjà. Je te souhaite une journée bénie. C'est vraiment cool que chaque jour, je vois des commentaires qui m'encouragent. Des commentaires qui disent que les pensées du jour font du bien. Ça me fait plaisir aussi le partage de sujets de prière. Merci pour la confiance. Et nous prions à chaque fois pour les sujets qui sont mentionnés. Eh bien, continue à suivre, à partager aussi. N'hésite pas également à mettre un pouce si tu apprécies. Et rendez-vous demain pour la prochaine pensée du jour.